Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de la RSG dans lequel nous allons critiquer le film Gemini Man avec Will Smith en rôle principal et Will Smith. What for is at stake? We don't have anyone who can take out Henry Bro. Gemini will handle this. Who are you? I don't want to shoot you. Fine. Mind if I shoot you? I have the perfect asset. Voilà, donc ça faisait longtemps, très longtemps qu'on attendait le retour de Will Smith. Moi, il me semble que son dernier film, ça devait être After Earth. Ça fait moins de deux mois avec Aladdin, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ah oui, non, autant pour moi, il y a Aladdin, mais je bon, considère dans, pas dans les films d'action, quoi, dans les films. Pour un vrai rôle de, au premier plan. Un vrai rôle, Aladdin en prend un petit coup, mais c'est pas grave. Ah ouais, ça tu l'as vu le remake d'Aladdin? Non, il me tentait pas du tout. Honnêtement, il est bien hein, pour un mec Disney. Bon, c'est pas. Je le verrai peut-être, je verrai. C'est pas. Bon, bref. Ouais. On va pas rentrer dans les. Dans donc les voilà, donc ça m'a fait extrêmement du bien de retrouver Will Smith. J'en avais besoin, il me faut ma dose de Will Smith. Ah ouais? Ah ouais, c'est un acteur qui manquait beaucoup, je pense, à Hollywood. Qui manque encore, parce que est-ce qu'il sera encore là après Gemini Man? Man, man, hein, pas de spoil, attention. Voilà, donc on peut commencer à parler du film. Donc je pense que. Je crois que nos avis divergent. On en a pas parlé en fait, mais je crois que nos avis divergent. Ouais, je pense qu'ils divergent énormément. Moi j'ai vraiment. Enfin, moi j'ai trouvé que le film remplisse sa mission et je trouve. J'ai un avis positif, je suis assez content. Moi j'étais déçu. Une grande déception. Ouais, donc nos avis divergent. Pour moi, le. Donc déjà, si on revient à l'origine du film, donc on est sur un scénario qui date de 95. Aucune idée. Une idée, je crois que c'est... Si, la date du scénario d'origine. Clair. Mais je crois que le film devait être réalisé en 95, dans les années 90. Mais évidemment, à l'époque, les outils technologiques, la technologie cinématographique n'étaient pas au point pour permettre à ce film de voir le jour. 97. D'ailleurs, même avec la technologie, le film n'aurait pas dû voir le jour. Mais bon, après... Je maintiens mon avis. On aurait jamais... Mais... Bon, pour moi, donc on est sur un film qui se veut science-fiction. Donc, le pitch du film, c'est... j'ai déjà oublié alors que je l'ai vu hier. Comment il s'appelle déjà? Henry Brogan. Henry Brogan, donc, qui est un agent d'une société en fait, de sécurité nationale. Oui, il s'appelle DIA. La DIA, qui est une sorte de CIA qui est inventée et dont personne ne connaît l'existence, voilà. Une société. Mais c'est quand même un tueur à gages pour cette... c'est pas un agent, genre analyste, tu vois. C'est vrai, c'est un homme de terrain qui est là pour tuer, c'est un tueur. Et donc, confronté à ça, on a dans le film une histoire en parallèle qui s'installe. C'est l'histoire du clonage, hein, donc, qui est déjà une vieille histoire, hein, parce que justement le film a été écrit après l'histoire de Dolly, la brebis Dolly. Je ne sais pas si vous connaissez tous l'histoire, mais c'est cette brebis qu'on a clonée. Donc je crois que c'est de là que le film est tiré. Voilà, donc, et pour moi, le film ne tient pas la route du fait que le clonage, au final, n'apporte rien. Pour moi, le clonage n'apporte rien au film. C'est-à-dire que Will Smith, donc le synopsis de base, Will Smith est cloné. Et, ah oui, au cas où, si jamais... son clone... J'ai pas précisé, mais full spoiler. Hein. Oui, mais full spoiler, mais non, parce qu'on voit sur la fiche, sur la bande-annonce, qu'il y a un Will Smith jeune, on comprend directement. Mais c'est vrai, mais dans le film, d'ailleurs, c'est un peu marrant, puisqu'on le sait dans la bande-annonce, et dans le film, ils veulent le tenir secret. Au début, on sait pas, et on se dit qui c'est ce gars. Oh là là, il me ressemble, ouais, c'est bizarre, mais oui, c'est toi, on a compris. Éviter de tourner autour du bord. Non, mais bon, hein. Pour préciser quand même, moi, trouvé, dans cet épisode, on va spoiler le film, quoi. Oui, on le spoil totalement. De toute façon, c'est pas un grand film, donc on n'aura pas de. Voilà, on sera pas triste de le spoiler. Bon, bref, et pour moi, j'ai trouvé l'utilisation du clonage, enfin, je sais pas toi, du clonage inutile. Finalement, on aurait pu avoir Will Smith qui se bat face à son fils. Ça aurait pu être son fils, soit biologique, le film aurait été le même. Oui, mais c'était... son fils c'était... biologique qui a été enlevé par le grand méchant et qui l'aurait fait genre que c'était son père, adopté, voilà. Ok. Pour moi, le fait qu'il ait été cloné, ça ne change rien au film. Ok, je vois l'angle. Ils ont l'angle d'attaque. L'apport génétiquement modifié, nanana, c'est fade. C'est pas représenté, on comprend pas tellement comment ils l'ont cloné, c'est flou. Ça apporte de belles scènes d'action, là, des scènes magnifiques. Ça, par exemple, pour le coup, je peux rien dire. Ang Lee, on le connaît, c'est un très grand réalisateur de films d'action. Mais même si la technologie est incroyable... Brokeback Mountain, un grand film d'action.
Oui, non, il y a Brokeback Mountain, mais il est très bon pour les films blockbuster, comme on peut dire, aussi. C'est lui qui a fait Mission Impossible 2, non? Ouais. Le plus pourri, mais bon. Oui, mais c'est, en termes d'action, le film est propre, pour moi. Ouais. Et là, j'ai été quand même un peu... Ce qui m'a étonné, je sais pas après tu me diras, mais les clones de... Le clone de Will Smith, la manière dont il se déplace, dont il fait les mouvements, moi, ça m'a gêné. J'ai trouvé... Alors, si jamais Jules écoute, il sera d'accord avec toi sur certains points. J'ai trouvé ça très bizarre. Parce que... La rapidité des mouvements, le... Oui, mais alors ça, je ça trouve... m'a... Mais... Je sais pas, j'ai pas cru, j'étais... Ouh là là. Oui, mais je crois que c'est fait exprès, en fait. Tu penses? On en discutait avec Jules, parce que je suis allé le voir avec lui. Et j'ai trouvé ça... Je pense pas que ce soit des erreurs, en fait, si tu veux, que ce soit mal fait. Je pense qu'en fait, c'est fait en mode... voilà, ils sont génétiquement modifiés. Bon, ils sont capables de faire... de toute façon, c'est limite un peu futuristique. Hein. Oui, mais on le voit pas dans le film. De quoi, quel, de quoi? L'ambiance du film, les décors, rien n'est futuriste. Rien n'est futuriste. Il y a aucune touche futuriste. Il y a cette histoire de clone qui est futuriste, qui est incroyable. Voilà, mais moi, c'est ça. Il est génétiquement modifié. Donc mais j'ai l'impression qu'ils ont tout mis là-dedans. C'est-à-dire que j'ai pas d'image. Il n'y a pas d'image. Mais c'est ça, en même temps. Il n'y a pas d'image belle. Il n'y a pas de beaux plans qui nous amènent dans un... Pour moi, les images sont fades. Il y a juste ce côté. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont travaillé énormément le clone. Enfin, ils ont travaillé ça. Mais qu'à côté, les retouches du film, le film est fade. Il n'y a pas de couleur. J'ai trouvé ça. J'ai l'impression qu'ils ont tourné ça comme ça et qu'il n'y a pas de retouches de couleurs ou quoi. Enfin, ok. J'ai pas ressenti un univers futuriste. Alors, il y a un paquet. T'as cité un paquet d'arguments. Alors, laisse-moi répondre. Il y en a encore d'autres. Non, mais attends, laisse-moi répondre parce que. Répondre, ouais. Je sais même pas si j'ai tout retenu. Pour moi, le déplacement d'abord, en premier. T'avais pas fini. Oui, ok, le déplacement. Mais pour moi, le déplacement, en fait, il est fait exprès sur le. Enfin, c'est pour montrer justement, pour indiquer un peu. Parce que j'ai l'impression dans le film, ils te font croire. Alors, au début, ils te c'est un peu un suspense. Est-ce que c'est un clone? Alors bon, dans la bande-annonce, en fait, la bande-annonce spoil le truc. Mais, oui. Mais je pense dans le scénario, c'était pas prévu ça. Mais donc, le fait qu'il soit très rapide dans ses mouvements, je pense c'est juste le fait qu'il soit un clone dans l'histoire. Je pense pas que ce soit une erreur de mise en scène. Bon. Mm-hmm. Mais pour revenir sur la critique de manière générale, je pense que. À mon avis, ce que j'aurais à te dire de manière générale sur ta critique, c'est pour moi, il faut juger un film pour ce qu'il est et ce qu'il essaye de faire. Et ce film, c'est juste qu'il essaye de faire un film d'action en mettant deux fois le même acteur. D'ailleurs, on en viendra peut-être sur le point de vue technique, comment ils ont fait. C'est pas du de-aging comme ils font avec actuellement Robert De Niro sur The Irishman ou Samuel Jackson. C'est différent. C'est différent, oui. Ça se rapproche de la technologie utilisée dans les cinématiques de jeu, mais poussée à l'extrême. Bon, on verra si on en parle. Oui, j'avais peur de voir un jeu vidéo. Honnêtement, il est bien fait. Hein. Pas du tout. J'ai vu vraiment Will Smith jeune. Ça m'a, j'ai été choqué, ça. C'est un point incroyable. Mais c'est pour ça, attends, ce film sorti en 4... S'il était sorti au moment où ils ont eu l'idée, c'est-à-dire dans les années 90... C'était pas possible de faire ce texte. Mais s'il l'avait sorti là, en 97, ouais. Ce film aurait été une bombe. Ce film aurait été une bombe. Ben oui, mais là, on a... c'est déjà vu. L'homme qui se bat contre lui-même, c'est déjà vu. C'est un film. Le scénario n'apporte rien. Attends. Ouah, le clone, nanana. Oh oui, au final, oh là là, mon papa, il est pas gentil. Je me révolte contre lui. C'est non, mais je suis d'accord. C'est improbable. Attends. Je suis désolé. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Mais c'est juste que toi, tu envoies des points négatifs. Oui. Dans le sens. Mais attends. Dans le sens que moi, je trouve que c'est un film, si tu veux, effectivement, je peux comprendre, il passerait peut-être mieux dans les années 90, dans le style, le film volte-face, tu vois. Film à la Anglie, tu vois. C'est vraiment, il est dans son style. Et peut-être que le style n'est plus d'époque. Mais non, mais attends. Mais ok, mais c'est un bon film. Mais moi, je trouve que ça reste un bon film d'action. Il essaye de faire un film d'action. Et l'action est au rendez-vous. Mais effectivement, mais le scénario. Pas, ça ne suffit pas. Mais il y a tout un tas de films d'action où le scénario n'est pas brillant. C'est parce qu'ils ne cherchent pas à faire des trucs avec des retournements de situation tous les deux secondes. Ou... Non, mais je ne parle même pas de retournements de situation. Ok, là, ok, mais il attends. Il n'y en a pas besoin et c'est décevant. C'est. Je sais pas, il y a... Je trouve que techniquement il est bien fait. On connaît le début. La mission est... On voit le début, on sait la fin, on sait qu'il va dire « Ah ouais, c'est pas bien, j'ai été cloné. Hop, je vais retourner du côté de Will Smith. » Alors que c'est son père. Il l'a élevé depuis qu'il est tout petit et je comprends pas. Mais il l'a pas élevé en tant que fils, il l'a élevé en tant qu'arme. Non, il y a quand même un côté fils où il est là, il y a les photos. Et il y a un petit moment, ils ont essayé de mettre le fils cloné qui est là, qui se dit « Ah ouais, mais c'est quand même mon père, ils ont voulu mettre ce moment. » Mais c'est pas tenu. Et alors que ça aurait été beau qu'au final il reste du côté de son père, ça aurait été déjà... Je suis d'accord que le côté scénaristique n'est pas très profond, mais le truc, ce que j'essaye de te dire, c'est que c'est pas ce qui était recherché, je pense. Et donc si on juge un film sur ce qu'il essayait de faire, à mon avis la mission est relativement accomplie, la mission du film, ce qu'ils essayaient de faire, ils ont globalement pas échoué pour moi. Effectivement, c'est pas
un grand, grand film. Rien à dire sur ça. Mais c'était pas le but, je pense. Voilà, c'est vraiment l'idée majeure que je voulais dire sur ta critique. Moi, je suis désolé, mais un film avec un potentiel aussi gros, en termes de moyens, en termes de réalisation, en termes d'acteurs, un film avec un potentiel aussi énorme, pour moi, il fonce dans le mur, il s'écrase totalement et il perd tout le sens qu'il voulait avoir. Et pour moi, c'est ça. Il perd tout son sens. Je sais pas. Il n'a plus de sens. Le film n'a plus aucun sens. C'est une déception. Ils essayent de rajouter à la fin le côté ouais, mais alors, si on va sauver des millions d'Américains en envoyant des clones, ils essayent de rajouter un petit côté bien pensant, réfléchi. Est-ce qu'en fait c'est pas une bonne idée? C'est amené à la fin, ça n'apporte rien. En soi, c'est une question qui n'est pas nouvelle. Effectivement, novateur, mais ça reste un minimum. Pardon, j'ai touché le micro. Un minimum intéressant. Dans le sens que, si on envoie une armée de clones, la population serait moins réticente à faire une guerre, parce qu'elle ne perdrait pas des citoyens. Oui, c'est le cas de, c'est le cas de Robocop, c'est le cas de plein de films. Robocop, c'est pas un clone, si on cite des clones, et ce que je connais, désolé, mais... Oui, mais voilà, regardez Star Wars, et puis voilà. Je suis d'accord, le Sénat galactique n'était pas favorable à entrer dans une guerre contre la Confédération séparatiste. Et une armée clone apparaît, ils se disent on va pas perdre de soldats, boum, on y va. Ben là, c'est l'idée du film. Sauf que on suit un gars, et on suit un gars qui essaye de ramener un clone à la raison. Oui. Ok. Et pour moi, c'est ça, ce qui manque, c'est le. Je n'arrive pas à le nommer, mais c'est ce qui manque, c'est le système de science-fiction. C'est-à-dire que dans Robocop, on a un système. Je comprends, mais c'est parce que ce film. Qui est posé, ce film est plus un film d'action qu'un film de science-fiction, tu vois. Oui, mais pour moi, tu peux pas construire un film science-fiction juste comme ça en disant voilà, on va balancer ça, on va faire des belles scènes d'action et c'est fini. Pour moi, il faut réfléchir. Robocop, c'est un film d'action, mais tout est bien posé. Je parle du nouveau, j'ai pas vu l'ancien. Le nouveau, tout est posé. Le nouveau, il est bon. Pour moi, le nouveau est très bon. On a la firme. On a la firme qui est posée. Ils nous expliquent pourquoi ils veulent créer ça, les dangers, pourquoi ils veulent mettre un humain à la place du robot, les limites de ça. Tout est bien posé, tout est bien expliqué et l'action est bien. Les deux vont très bien ensemble, on a une belle fin. Voilà, pour moi, c'est réussi. Là, on a une organisation qui n'est pas expliquée, brouillon, qui crée des clones, on ne sait pas comment. Si, je ne suis pas d'accord sur les. Bon, déjà, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit sur Robocop 2014, mais bon, je ne suis pas non plus d'accord avec ce que tu dis sur l'entreprise qui, dont le film tire son titre, à savoir Gemini. C'est une entreprise paramilitaire qui travaille avec la DIA. Bon, c'est sûrement CIA. C'est mis de côté, on comprend ce que c'est. Leur but, c'est comme n'importe quelle entreprise paramilitaire, ils forment des soldats et ils veulent former la nouvelle génération pour se faire un contrat en or où ils envoient carrément l'armée au lieu d'entraîner des soldats, pardon. En fait, ils vont créer des soldats. Oui, mais ça se comprend. Ça devient un film grossier. Mais parce que l'aspect sociétal du film. En fait, il n'y a pas d'aspect sociétal dans ce film, mais c'est ça qui te dérange, je pense. Mais c'est ce qu'ils essayent d'amener pourtant. Non, je trouve pas qu'ils essayent d'amener ça. C'est un film d'action qui se casse pas la tête, je trouve. En fait, on a amené ça, pourquoi on faisait ça? Bah ouais, bon, on va faire dire le méchant. Ouais, mais c'est pour sauver des millions d'Américains. Ils essayent de l'amener et ils essayent de se débarrasser du truc comme ça, de le jeter. Et ça rend mal. On a des magnifiques scènes d'action. On a une scène d'action de moto qui est incroyable. Tout à fait d'accord. Et derrière, t'as plus rien. C'est le vide. Le film est creux, même après l'action, si je me rappelle plus. Après la scène de moto, pour moi, je me rappelle même plus. Je l'ai vu hier, le film. Je pourrais même plus te dire ce qui se passe. S'ils doivent prendre un avion. Ils vont à Budapest. Voilà, on sait pourquoi ils vont à Budapest. C'est quoi le russe là pour... Il ramène quoi? Ils vont dans un hammam, super. Budapest, il est hongrois, excuse-moi, mais. Il est hongrois, oui, pardon. Budapest, c'est pas en Russie. Ils vont voir un russe. Non, je crois qu'il est hongrois, le gars. Il est hongrois. Moi, je sais pas. Est-ce pour moi, il est russe. Il s'appelle Yuri. Bon, Yuri, ça passe partout là-bas. Russe, hein. Désolé. Parce qu'ils veulent faire croire que c'est les Russes. Il y a un truc comme ça, on s'est balayé aussi. Il dit à la meuf là. C'est meuf, le contexte latte, du. Je sais pas quoi, la Tenachato là, il va lui voir, il dit mais non, mais moi je veux dire que c'est les Russes. Ah oui, très bonne idée, les Russes sont pas gentils. Enfin, le scénario a été écrit dans les années 90. Mais on est d'accord. Il faut changer. On est d'accord. Mais si tu veux, ça passe. Il y a un public pour ce genre de film et je trouve que ça passe pour ce qu'ils voulaient faire. C'est tout ce que j'essaie de te dire. J'essaie pas de te dire. Suffisant. On peut pas Attends. Dire oui, il y a un public d'accord. pour ça, on leur donne ça. Attends deux secondes. On leur donne de la merde, ils aiment la merde. J'essaie pas de te dire que ce que tu dis est faux. Ok. J'essaie de te dire que c'était pas le but. Ok. Et donc, le truc, c'est que pour moi. Pour moi, c'est pas un échec, le film, tu vois. C'est réducteur de dire que le but, c'est juste de faire de l'action.
C'est ultra réducteur. Attends, une comédie romantique, une comédie romantique. T'as 6 scénaristes derrière. Oui, mais parce qu'il a été retravaillé depuis 97. T'as 800 scénaristes, le truc, ils sont pas juste là pour faire de l'action quand même. Ils sont là pour créer une histoire, enfin. Les mecs ont 2 heures, 117 minutes. Ils ont 2 heures et ils font rien, quoi. Mais... Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, t'as 6 scénaristes. Non, le scénario est écrit par David Benioff, je l'ai lu tout à l'heure pendant que tu parlais. Et ensuite, si tu veux, ils l'ont réécrit au fur et à mesure des époques, en fait, mais justement pour l'adapter un peu. Dont Andrew Niccol qui l'a réécrit dans le début des années 2000, c'est pas lui qui a écrit la dernière version. Andrew Niccol, putain. Andrew Niccol. Il est bon, normalement. Mais oui, mais Andrew Niccol travaille plus sur le côté sociétal. Là, le seul côté sociétal, ou social d'ailleurs, je sais pas trop dans quel sens ce serait le plus judicieux de... Le terme... Quel terme serait le plus judicieux. Bref. C'est l'aspect clonage, et il est en arrière-plan. Enfin, la question sur la société du clonage est en arrière-plan. C'est vraiment un film d'action sur Will Smith, et moi je trouvais que c'était quasiment le but du film était quasiment un but technologique. Faire oui, Will Smith contre pas. Will Smith. Si tu veux, c'est utiliser la technologie juste pour faire de la technologie, et dire, voilà, vous savez, on fait ça, on est trop fort. Ça suffit plus aujourd'hui. Bah, écoute, Marvel, ils essayent pas de faire des grands trucs qui ont une portée psychologique, philosophique, politique, tout ce que tu veux. Derrière les Marvel, t'as quand même. Bon, Scorsese serait pas d'accord. Oui, il a dit hier que c'était pas du cinéma. Ouais. Bon, je serais pas d'accord avec lui, mais pour moi, tu sais que tu vas voir un film de super-héros, tu t'attends à un truc, t'es dans une ambiance. Là, je veux bien que le scénario soit pour rendez-vous. Mais dans Gemini Man. Je comprends pas pourquoi t'accèdes dans un Marvel, j'ai pas là. Là, y a pas d'ambiance. Dans Gemini Man, je n'ai aucune ambiance. Déjà, il est tout seul, c'est Man. Mais je comprends pas. Voilà. Ok, oui, mais c'est parce qu'il me fait une tête. En gros, c'est parce qu'à la fin, il n'y a pas qu'un seul clone. Mais. Ce qu'ils essaient de ramener à la fin. La scène finale, nulle, hein, d'ailleurs, une nullité. Moi, je trouve qu'elle est prévisible. Tout est prévisible, on sait qu'il va mais venir c'est de pas leur côté. Oui, mais c'est. Enfin, si tu regardes Volteface, c'est pareil, c'est cliché, c'est comme ça. Mais il y a des gens qui aiment ça, et bon, ça s'apprécie, tu vois. Bah, pour moi, c'est une déception, ce film. C'est une grande déception. Mais ça, c'est encore une question de qu'est-ce que tu attendais, tu vois. Qu'est-ce que tu attendais de ce film. Moi, j'y suis allé. Déjà, au moins, j'attendais quelque chose. J'avais même pas vu la bande annonce. Il nous donne rien. Moi, j'avais même pas vu la bande annonce. J'ai vu la bande annonce après avoir vu le film. C'est pour ça que je sais que la bande annonce, il m'est incroyable. On la bande annonce, ça suffit. Là, je suis. Tu dis encore une fois, parce qu'on a enregistré un autre podcast avant où on disait ça sur Rambo. Ouais. Mais. Je sais pas, je trouve que. Moi, je trouve qu'il. Oui. Je trouve que c'est un bon film d'action. Ça, si je dois le résumer juste en quelques mots, je mettrais ça. C'est pas un très grand film, bien sûr. Mais bon, si tu veux voir un film d'action, et ben si tu veux en voir un récent, et ben voilà, va voir le dernier film d'action d'Ang Lee. Si tu attends de l'action, tu vas être servi. Ça dépend de ce que t'attends. Mais c'est ça, sûr, ça c'est pas plus. Du Total Recall Robocop, où il y a quand même un peu plus de questions. D'ailleurs, c'est un peu ce que je reproche à Robocop 2014. Pas de questions hein, dans Robocop 2014. Pour moi, mais oui, mais pour moi, du coup, le but même du film, de mettre le clonage au centre du film, ça n'apporte rien. Ils auraient pu dire, tiens, c'est ton vrai fils. Ça aurait rien changé, si tu veux. Tiens, c'est ton vrai fils. Ça aurait été un film d'action aussi. Ça aurait été un film d'action aussi. Donc le clonage n'apporte rien. Ça aurait été un film d'action aussi, donc c'est bien qu'ils voulaient faire un film d'action. Oui, mais le clonage, du coup, n'apporte rien. Dire c'est du clonage, c'est juste, ouais, on dit que ça, c'est c'était juste pour Will Smith, enfin pour l'acteur. Mais oui, mais dans ce cas, c'était Will Smith au départ. La même technologie, tu dis, ouais, tiens, c'est ton vrai fils. Bah non, parce que bon, ils se ressemblent pas non plus au... Ah oui, ok, tu veux dire, tu le modélises un peu différemment. Non, ouais, je sais pas, c'est... Enfin, moi, c'est pour moi, ça porte rien. Ok, il se bat pareil, ouah, c'est fou. Je sais pas, les scènes d'action sont quand même assez... assez bien faites, hein, y a rien à dire. Hein. Non, y a rien à dire sur ça, mais y en a qu'une qui m'a marqué, si tu veux. T'as pas aimé la scène d'action finale, toi? Non, j'ai trouvé grossière, nulle. Mais ils sont plein dans une ville, t'as aimé la scène d'ouverture tout. T'as aimé la scène d'ouverture? Ouais, le wagon, c'est sympa, c'est une belle scène, elle est sympa. C'est marrant, tu penses au wagon, je pense au snipe. Le premier plan, c'est Will Smith qui règle son oui. scope. Oui, non, c'est le mec dans le wagon d'abord, non? Ah, peut-être, ok, bon, le premier plan sur Will Smith, alors oui. J'aurais bien aimé ce côté-là, tu sais, où ils disent, en fait, c'était un analyste. C'est pas poussé, c'est un... Un analyste? Will Smith? Non. Non, le mec dans le wagon, ils disent que c'est un terroriste, là. Un bioterroriste. Au final, c'est le gars et qui... Et ça, c'est hyper bien, cette idée de dire, ah merde, il a buté quelqu'un d'autre, en fait, il essaie de se faire tuer par le... Mais c'est mal amené. Et c'est le gars, justement, qui a quelle formule du clonage. Ça aurait été bien qu'il le découvre par lui-même, qu'il aille jusque dans le laboratoire où il voit... Je sais pas. Moi j'aurais trouvé ça un peu cliché justement, qu'il y ait encore un laboratoire et tout. Mais pour moi ça aurait apporté un truc, plutôt que de partir à Budapest pour apprendre quoi. Franchement, il apprend quoi à Budapest? T'as pas aimé la scène dans les catacombes? Non. J'ai pas aimé. Tu t'y attendais au fait qu'elle ait le. Bon, du coup on a dit spoiler. Non, je m'attendais pas, mais c'est sympa, je trouve. La scène,
Elle est pas mal, ils se battent pareil, quoi. C'est... Bon, je sais pas. Je sais pas, la poitrine. Je vais dire, ouais, on a filmé dans les catacombes, on a vu ta peste. Je sais pas si t'étais dans le micro, là. Ouais, pardon, juste dire, ouais, on est allé à Budapest, on a voyagé. Je sais pas, enfin, moi, pour moi, n'importe rien, c'est ça. Surtout qu'ils repartent, mais l'autre, là, le clone, il arrive avant eux, alors qu'il part après eux. Oui, alors ça, c'est... Mais bon, oui. Mais enfin, dans, oui, souvent dans les films d'action... Ça, au point de départ, où il y a une grande bagarre en plein dans des rues, je sais pas. Souvent dans les films d'action, il y a pas trop de... Il y a pas mal d'incohérences, donc bon. Le scénario, il aurait dû rester dans les années 90 et pas ressortir, pour moi. Enfin, on a vu Will Smith dans des bien meilleurs rôles, pour moi. Donc, un scénario que tu écris à une époque et t'attends une nouvelle époque pour avoir la technologie adéquate, toi tu dis, tu fais pas le... Si, tu fais si, pas si le t'apportes autre chose. Tu fais pas le film. Si t'apportes autre chose, si t'apportes rien avec 8 scénaristes, 15 scénaristes ou quoi, laisse tomber quoi. Pour moi, laisse tomber. 7. Tu mets Ang Lee, il te met les scènes d'action, il les empile et ça fait la même chose. Sérieux. Ah, pour moi, je te retiendrai une scène d'action. Ah, la scène de moto, elle est quand même... Je la retiendrai, c'est la plus belle. Mais c'est la seule presque. Elle est impressionnante, hein. Elle est incroyable. En elle Colombie, est très belle. Non, elle c'est est... pas Colombie, c'est. Si, c'est Colombie. Si, Colombie, ouais. Comment s'appelle cette ville? Je sais plus. Je sais plus où c'est. Ah, mais si, c'est. Merde. C'est pas grave. Bon, je sais pas. Ouais. Non, mais oui, mais enfin. Moi, globalement, je dirais quand même bon film parce que je m'attendais pas à la même chose que Sacha. Voilà, je pense que la divergence vient de là. Et que, non mais à mon avis ils n'ont pas tourné le film au même endroit que, enfin, c'est possible hein, mais... Ah oui, bah, on a quand même oublié un truc, je vois passer la liste des acteurs là, parce que tu ah défiles. Oui, ils ont donné d'abord, ah ouais. T'as pensé quoi des acteurs de manière générale? Parce que Will Smith contre Will Smith, ok, mais le reste, des acteurs secondaires, Clive Owen, t'as pas aimé? Ils ont pas de rôle important, ils servent à rien. Tu peux mettre un autre acteur, ça change rien. Je trouvais qu'il avait un rôle un peu dans le style Anon. J'ai pas vu Anon, faut que je le vois. Mais Anon c'est plus épuré. Nicole d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, ça, ils se sont peut-être. Bon, je sais pas. Connus sur un tournage de l'un ou de l'autre. Budapest, Hongrie. Carthagène. Carthagène, voilà. Carthagène. Pensez à Carthage. Moi. Oui, moi aussi au début, mais. C'est ça. Je fais qu'est-ce qu'ils font en Colombie-Carthagène là. Voilà, Carthagène, voilà. Tu l'as vu où? Hein? Tu l'as vu où? Bah, devant moi. Putain, ça faisait 800 ans que je suis là. Putain. Oui, donc bon, petite phrase de conclusion, moi je dirais juste bon film d'action, pardon, parce que bon, effectivement, c'est, de manière générale, si on attend plus de choses d'un film, une profondeur et tout, c'est pas ça, mais un bon film d'action, avec des bonnes scènes d'action, comme il se doit dans un bon film d'action, et un scénario pas très très profond et très poussé, mais je sais qu'il y a un public pour ça, tu vois, donc je pense que la mission est remplie. Oui, mais pour moi, c'est pas parce qu'il y a un public pour ça qu'on doit leur donner de la merde. Je te laisse conclure. Pour moi, c'est pas parce qu'il y a un public qui, ouais, mange que de l'action, nanana, qu'on doit leur donner un truc nul. Enfin, c'est pas parce qu'il y aura que ça qu'on doit leur dire ça. Mais en termes de films d'action, je suis pas sûr qu'ils soient nuls. Hein. Non, ouais. Mais d'accord. Mais je dis pas que les gars qui regardent des films d'action, où le scénario est relativement pas très travaillé, ne regardent que ça, je dis pas ça. Pour moi, un film d'action, c'est pas forcément séparé d'un bon scénario, je vois pas. Non, je dis pas qu'ils sont forcément séparés, mais je dis qu'il y a beaucoup de films d'action où c'est comme ça, et qu'il y a un public pour ça, donc c'est pour ça qu'ils continuent à en faire. Moi c'est même pas que le scénario est mauvais, c'est que pour moi il y en a pas en fait, si tu veux. Pour moi il y a pas de scénario, il y a juste un personnage, on lui invente un passé. Pas de scénario, il y en a moins que dans Rambo, tu vas me dire. Non mais Rambo c'est autre chose, hein. Non. Pour moi il y a pas de scénario. Tu prends les Fast and Furious, les scénarios sont merdiques, pourris, complètement ratés, mais il y en a un. C'est-à-dire qu'il y a une trame qui est construite, qui est peut-être bof, enfin qui est qui n'est pas incroyable, mais c'est assumé et tu suis un truc, t'as vraiment un point et une arrivée. Là, t'as. Je sais pas. Ouais, il y a un point de départ et une arrivée aussi, je trouve. Hein. Moi, je l'ai trouvé faible. Ouais, bah, alors on diverge, peut-être que vous savez. J'ai trouvé un peu dans le style de. Dans la réalisation et dans le côté scénario de. La chute du président. Le côté on s'échappe. Ah non. Je suis du président, j'ai trouvé vraiment un scénario absent, tu vois. Mais pour moi, c'est pareil. Je qualifierais les deux de scénario identique. Ah ouais. Ah ouais, ouais. C'est le même genre de scénario, c'est-à-dire que, ouais, on envoie un mec là-bas, hop, il s'échappe. Il en soi, la chute du président, pareil. Je dirais que si tu cherches un film d'action, il est correct, tu vois. Je dirais pas, le Gemini Man, je dirais qu'il est bon, et la chute du président, je dirais qu'il est correct, alors que les deux autres chutes sont passables. Enfin, la chute de Londres, c'est une catastrophe, mais... Non, je mettrais quand même Gemini au-dessus, mais... Ah, parce qu'il y a Will Smith.
T'enlèves Will Smith, le film. Oh. Non, tu vois, ils ont pas. Bon, les scènes de combat, ok, c'est pas du tout le même style, mais. Non, je sais pas, les deux films se. Les deux films sont dans le même style, voilà, t'as raison, mais c'est juste, tu penses, c'est pas trop ton style, quoi. Si, moi j'adore les films d'action, mais là, tu me donnes un truc qui est pas. Je m'en rappellerai pas, quoi, ça va pas me marquer, si. Non, moi non plus. Mais les films d'action, je trouve, t'as des films d'action qui sont faits juste pour te divertir, comme tu disais pour Rambo, un dimanche soir, tu vois, sans plus, tu vois. Bon, ben voilà. Ça peut être que pour ça, tu vois. Et je trouve que bah, dans ce cas-là, la mission elle est plutôt remplie, quoi. Et je le reverrai pas avec plaisir. Je reverrai bien la scène d'action en moto avec plaisir, mais le film en lui-même, je le reverrai pas. Il n'y a pas d'importance là. Je trouve qu'il est vide le scénario. Il y a. Ok. Ok, ok. Mais... Franchement, il me tente pas. Ok, bah écoutez, peut-être que vous aurez, vous serez d'accord avec l'un d'entre nous, ou que vous serez. Entre deux, ou vous l'aurez trouvé encore meilleur que ce que j'en dis moi. Et, au moins, ça vous permet de vous faire un avis. Et ben, je vous dis à bientôt. Bon après-midi ou bonne soirée. Et à bientôt pour de nouvelles critiques. Hein.